Amis voyageurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons visiter la superbe ville de Sidi Bou Saïd. Avant de commencer, si vous cherchez une adresse pour trouver des souvenirs, n'hésitez pas à franchir la porte de ce magasin situé dans la montée du village. Très sympathique, ils seront également ouverts à une négociation de prix. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu, de laisser un commentaire après votre visite ou abonnez-vous. Cela me permettra de mieux me situer dans les propositions YouTube. Je vous souhaite une bonne visite et à la semaine prochaine. Sidi Bou Saïd est un village situé à une vingtaine de kilomètres de Tunis. Connu et reconnu pour les couleurs bleues et blanches de ses demeures, il l'est également en France pour l'un de ses cafés, le Café des Délices, dont Patrick Bruel en a fait un de ses titres phares. Lors de votre visite, n'hésitez surtout pas à porter des baskets, car les pentes peuvent être rudes. Si vous montez jusqu'au bout des ruelles, vous arriverez à ce célèbre café, mais n'hésitez pas à prendre un thé au Café des Nattes, en plein milieu du village, peut-être moins connu, mais tout aussi typique et avec une merveilleuse vue. Nous avons eu la chance de ne pas être pressés par le monde, comme nous étions en plein Ramadan. Profitez de votre visite pour vous diriger vers les ruelles perpendiculaires à la rue principale. Certaines vues sont magnifiques. Vous êtes ici, dans le musée Darren Anabi, lieu incontournable de votre excursion à Sidi Bou Saïd. Grande demeure du Mufti Mohamed Taib El Anabi, elle est formée d'une cinquantaine de chambres et est surnommée le Palais des Mille et Une Nuits.
ce musée retrace le mode de vie des beys du XVIIIe siècle. Vous pouvez le louer pour diverses occasions, que ce soit mariage, cocktail, anniversaire. Surtout, montez dans les étages pour atterrir sur les toits et profiter de la superbe vue. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Ajoutez un commentaire, appuyez sur le pouce ou abonnez-vous. C'est totalement gratuit pour avoir les futures vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour nous rendre à Carthage. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Beslama.